Eh bien, salut à tous, c'est Thibaut. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online PC. Alors aujourd'hui, on va customiser la petite classique Broadway. Alors, un véhicule qui n'est pas sorti encore dans GTA Online, mais qui est dans les fichiers du jeu. Voilà, c'est le fameux taxi qu'on a vu sur les images lors de l'annonce du DLC. Donc on va aller le custom. Hein. Donc c'est une grosse cylindrée. Donc voilà, à l'intérieur. Donc vous voyez la custom, où elle est custom, tranquillement. Donc la petite classique Broadway. On va voir les customisations qu'elle peut avoir. Alors blindage, on va mettre amélioré à 100%. Carrosserie, alors on a finition carrosserie. Couleur, finition impériale. Finition complète. Hot rod, oh. Et hot rod finition. Ok. Moi je vais mettre finition complète. Frein de course. Pare-choc, alors pare-choc avant on a pas de pare-choc. Ok. Pare-choc barre, lame. Ok. Roadster, balle et bélier. Wow. Ah, bélier, j'aime bien. Pare-choc arrière, on a barre, lame, roadster, balle et bélier. On va mettre bélier. Moteur, on va mettre niveau 4. Échappement, alors en bout titane. Endoisé, chromé et. Ah, crête chromée. Ah, elles sont pas mal ceux-là. Ça, c'est des beaux échappements qu'on a jamais vu. Unique à cette voiture. Ok, pas mal. Ok, pas mal. Alors, les ailes. Finition d'ailes. Ailes finition et finition complète. On va mettre finition complète. Capot. Finition capot. Finition capot complète. C'est quoi qui change? Ok, il y a des. Ok. Oh, aérateur à double filtre. Filtre massif, ovale et triple ouverture. Ah, il y a moins de faire une bête de voiture. Alors, on va mettre finition complète. Alors, capot. Alors, klaxon, on s'en fout. Alors, éclairage, phare, avec xénon et néon, on s'en fout. Motif. Alors, on a autocollant vintage. Alors, c'est les bandes noires qu'on voit devant là. On a bicolore. Flamme hot rod. On a violet profond. Joli motif cette voiture. Négatif profond. LS custom blanc. LS custom noir à l'abandon. Épave classique, Autros Vestu et Danton Capeco. Alors, pour débloquer ce motif, il faut emmener 50 clients à destination pendant l'émission taxi pour débloquer cet article. Donc, pour mettre ce motif-là, il faut faire les 50 livraisons. Donc, je peux pas le mettre malheureusement parce que. Ah, c'est triste, j'aurais aimé le mettre. Il faut débloquer les 50 missions. Donc, j'essaierai de le mettre avec le mode menu. En sortant du LS Custom pour voir. Alors, on va mettre en attendant celui-là. Rétroviseur, on a Hot School, Rétro, Vintage, Bas et Conique. On va mettre, j'aime bien Rétro. Black, on va mettre Noir. Peinture, alors, métallisé. Alors, on va la mettre Blanche. De toute façon, j'essaie de mettre le motif, hein. Là c'est la couleur intérieure. Ouais, alors on va essayer de mettre jaune. Ouais, comme ça. Voilà, accessoire de toit. On a refroidisseur vintage et refroidisseur rétro. Ah, stylé. On va mettre ça. Ok, vendre pas la vente. Suspension, on peut la rabaisser. Ouah. Elle est posée au sol. Hein. Transmission de course, turbo avec. Pare-soleil, alors pare-soleil classique, vintage, casse vintage et PK vintage. On va mettre. Ah, j'aime bien celui-là. Roue. Alors, j'ai pas débloqué les roues, faut que je les débloque. On va pas les toucher, elles sont magnifiques. On va pas les toucher. Et vitre, on va mettre limousine. Hop, on va sortir du LS. Voilà pour le custom. Alors, on va faire une petite coupure. Et on va et je vais voir avec le mode menu si je peux mettre le motif taxi. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve. J'ai pu mettre le motif taxi. Voilà, grâce au mode menu. Hein. Hop, on peut tout faire grâce à un mode menu, c'est génial. Donc voilà à quoi va ressembler avec le motif taxi. Donc voilà, on va faire un petit tour avec pour voir un peu sa vitesse. Bon, c'est pas une voiture de course, hein, c'est une grosse cylindrée. Alors je suppose vu que c'est une grosse cylindrée. Eh cabre, mais bon.
Bon, ok, c'est pas une grosse cylindrée vraiment en fait pour la vitesse. Hein. Je vois beaucoup d'ailleurs l'ont bien possédé. Moi je pense plus qu'il aura pu la mettre en. En sportif classique. Donc elle est vraiment chouette, j'aime bien la voiture. Donc on va ouvrir les portes aussi. Ok, on peut voir le moteur. Ok. Donc bien sympathique la petite voiture. On a du mal à freiner par contre. Logo taxi sur le toit. Une fois qu'elle est lancée, elle est assez rapide. Elle traîne pas non plus, hein. Elle n'est pas. Alors, par contre, pour le freinage, ouais, elle met un peu de temps quand même. Donc, j'ai hâte qu'elle sorte celle-là aussi, qu'on puisse débloquer le motif, tout ça pendant la mission taxi. Donc voilà pour la petite Broadway classique. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous allez l'acheter et que vous allez l'utiliser pour quelque chose. Excusez-moi. Donc dites-moi si vous allez la customiser, si vous allez l'acheter. Et qu'est-ce que vous en pensez déjà? Donc voilà. Donc je vais essayer là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à plus. Ciao ciao.